Je peux? Ouais. Eh non. Bah attends. Ok, attrape. Les gars. Cassez-la pas, ok. Merci. Ouais, juste on check le micro, Théo. Chut, il est bombé. C'est... ça rec ou pas? Nickel, toi, Zaf. C'est bon, ça rec? Ça rec. C'est bon? Ouais, c'est bon. Il y a... merde. Bienvenue dans le Juste Poids 2. À ne pas confondre avec le Juste P. Il est en train... Oh putain. Je l'ai fait très proche de ta tête, je me rends compte. Moi, je sens rien. Ouais, je l'ai tanké, j'attendais que ça. Ça vraiment, je suis agressé. Bienvenue dans le Juste Poids 2, le jeu dans lequel nous allons devoir ramener des choses qui correspondent à un poids imposé. Par exemple, la coupe à la maison. Bah imaginons qu'elle fait 500 grammes par exemple, et que le poids demandé derrière cette carte c'est 500 grammes. Et ben tu ramènes cette coupe, tu l'as ramenée non seulement à la maison, mais en plus t'as le bon poids. Et c'est gagné, okay. Voilà le but du jeu. On gagne quoi? Moi je viens pour le jeu, pour les récompenses. J'aime les voitures, les iPhones, une Play 5 peut-être. Un nouveau logo designé par Kuzan pour ta chaîne. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Non. Ok. On a des cartes ici, il y a un poids qui est demandé dessous. Par exemple, quelque chose de très lourd, extrêmement lourd, de 300 tonnes, un truc comme ça, une vanne de... par exemple. Les deux seules règles, c'est qu'on ne peut rien acheter et on évite de prendre un truc dans lequel on met des trucs. Premier poids, vous êtes prêts? On est prêts. Premièrement la cam, deuxièmement nous. 0,60. Oh, c'est chiant. C'est même pas un gramme. C'est moins d'un gramme? Un poil de bite, le mec pète un cap. On est parti. Ok, j'ai une strat, c'est d'aller dans une garderie. Non, pas encore. 0,63 grammes. Il va falloir qu'on soit, bon. Ouais. Il va falloir qu'on soit bon. Oh, il a stoppé mon pied de nez. Je suis désemparé, je sais pas quoi faire. Ah mais non, mais je faisais semblant de te toucher. Il exagère de fou là. En vrai, si je déchire un bout de ce carton, ça passe. Je crois que ma bague fait moins d'un gramme. En fait, je sais pas ce que fait un gramme. Oh, c'est fini. Par contre. C'est bon pour nous. Mais c'est bon, nous on est meilleurs que les autres. Ok, viens, j'ai une idée. Cours, faut courir, faut se dépêcher. On est large de fou pour une feuille. T'as pas soif? Oh non, je sais ce que tu veux. Ouais. Ok, d'après toi, lequel? Il manque toujours le même, Zafi le Good là. Je sais pas si tu remarques là, j'ai une démarche un peu plus en confiance. Tu l'avais remarqué ou... Ouais. J'ai gagné. Bah on sait pas encore. Ouais. En fait, je te spoil, ça m'étonnerait que t'aies gagné parce qu'on a pesé nos objets et on a 63 grammes. Oui, on a gagné tous les deux. Ouais. Donc on passe à la manche 2 directement, let's go! Ok. On n'a pas gagné, on n'a pas essayé en fait. Tout le monde avait croit que c'était la fin de la manche, c'était pas la fin de la manche! Le prank de malade! C'était pas la fin de la manche! Je suis tombé dedans! C'était un prank, il y avait plein de caméras, il y en avait une juste là, il y en avait une ici, non, juste là-bas. Il y en a une qui était juste là, tu l'as pas vu? Waouh! Et alors celle-ci, tu l'as pas vu venir, mais il y en a une juste entre tes jambes là. Ouais. Et attends, parce que c'est fou, mais il y en avait une qui était intégrée directement dans ton visage, donc on a complètement ton point de vue à toi. Eh oh! Il y en a une, t'es pas au courant, c'est y a un gars qui était dans la pièce d'à côté. Les gars, vous avez votre objet? Ouais. J'ai dans les mains depuis tout à l'heure, c'est vraiment ça mon objet. Attends, tu crois que ça fait moins d'un gramme? Ouais. Laisse-moi rire. Ok, je le pose. 0,20. Comme d'hab. Là, ça juge, c'est dans le jugement. On verra à la fin qui rira bien, qui rira le dernier. Mais là, je vais poser mon objet qui est ça. Oh! Je pose. Dessus, 0,32. Toi t'as quoi toi? Tu nous as pas montré? Moi j'ai un bout de devant Webmedia. C'est un ongle de pied. Non, tu sais, c'est des petits copeaux de bois. Bah honnêtement, je mets une pièce sur ça. Allez. On rappelle, replay sur ce qu'il a fait. Alors replay sur sa condescendance quand j'ai posé mon objet. C'est trop cringe, je suis désolé. Bah ouais. Oh, j'ai gagné une manche de jeu. Il s'était jamais arrivé? J'arrive pas à contrôler quelle émotion faut qu'il sorte. Bah un peu de joie. Un peu de joie. Ah ouais. Fais la peur. Ok, tu rentres chez toi, ta femme est décédée. Bonsoir. Vous êtes prêts? Oui. Je vais faire quelque chose d'un peu égoïste, je vais regarder en premier, ok? 490 grammes. C'est comme 500 grammes, mais avec 10 grammes de moins. Ok, 490 grammes. En fait, une bouteille d'eau de 50 centilitres, ça fait 500 grammes presque. Oh non, j'ai dit mon astuce à voix haute. Quelqu'un a une carte, je vais au distributeur. Tu as cru? Non, j'ai pas cru. Ok, peut-être un peu à retardement. Ouais. 490 grammes. Là, je suis tenté de prendre un truc de 500 millilitres. Faut pas que tu l'achètes. Ah putain, bien vu! Mais je peux raqueter quelqu'un? Oui, complètement. Attends, tu vas me filer ta canette. Mais gros, j'ai rien sur moi là. Ah ouais, c'est bon. Super lourd. J'ai une rêve. 300 grammes, ça fait ça. Un cassoulet William Sorin, peut-être. 840 grammes, ok. Donc ça se situe entre le cassoulet et le riz à la tomate. Et d'ailleurs, vous savez ce qui se situe entre 300 et 840 grammes? Ce paquet de croquettes au saumon de la marque Ultra Premium Direct, adapté aux chats stérilisés. Alors non, ça c'est 7 kilos. Oh mince, pas loin!
Alors ce pack de sachets en sauce, cabillaud ou saumon? Toujours pas. J'étais à ça. Ce petit sachet là, friandise apaisante, non? 40 grammes. Ah. Bon, en tout cas, tout ce que je viens de vous montrer là, c'est des produits pour vos animaux, chiens comme chats, fabriqués en France, d'origine naturelle et sans céréales pour la plupart. Par exemple, de mon côté, ces croquettes-là sont parfaitement adaptées à mes deux chats. Ultra Premium Direct, c'est pas seulement des produits pour les animaux, ils défendent aussi la cause en accompagnant les refuges par exemple, comme en 2023 où ils ont offert 500 000 repas, ça régale un peu. Donc si vous cherchez une alimentation de qualité pour vos animaux, parce qu'ils le méritent, je vous mets le lien dans la description comme d'habitude, et avec le code JOYKA, vous aurez moins 25% sur votre première commande. Et sinon, quoi qu'il arrive, ce sera moins 20% jusqu'au 2 juin. Merci à Ultra Premium Direct d'avoir sponsorisé la vidéo, on va reprendre tout de suite. Souvenez-vous, je cherchais un poids entre 300 grammes et 840 grammes. Qu'est-ce qu'il y a entre du cassoulet et du riz à tomate, Mathieu? Une balance, c'est très très drôle. Une autre balance sur la balance? Au pire, je commande devant la machine, dès qu'elle casse la chaise, je la raquette. Oui. Je crois que j'ai pas réussi à descendre tout seul. Elle est pas populaire, j'ai l'impression, cette... Ok Théo, ça c'est 300 grammes et c'est les torsades au poulet basquez. Ça, c'est le cassoulet mitonné. Qu'est-ce qui se situe entre les deux qui pourrait faire 490 grammes? Ça, une autre balance. Je dirais que c'est un peu trop. En vrai, mon téléphone, il fait moins de 500 grammes, c'est sûr. Tu mets un téléphone. Pop, 50 centilitres, et ben alors. T'étais juste venu te servir du cassoulet? Mais tu l'as bu comme une boisson énergisante. Super bon. Il faudrait qu'on se voit moins. Faut que vous devez super bon. Merci Théo, merci pour tout Théo. Y'a pas de soucis, je t'aime. Reste comme tu... Oui, oui. Bisous. C'est parti. Fermez la porte quand il vient, je vous ai dit. Quand il est dans les couloirs et qu'il vient, qu'il passe, vous l'entendez, on l'entend arriver. Fermez la porte. C'est un peu la boue en vrai. Oui. J'espère que vous avez pas pris la bouteille qui était là-bas. Non. Il a pris... Théo, il a pris une bouteille d'eau. Et il est en train de la boire. Ils étaient bons, t'es 10 centilitres d'eau? Loser! Ça m'atteint pas, hein. Mais moi j'ai mon objet, moi les gars, c'est ça? Vous pensez que c'est trop lourd? Alors ok, vous voulez que je m'auto-suce, c'est ça? Putain, c'est trop dur comme jeu! Je peux avoir ton avis de pro parce que t'as déjà joué à ce jeu? Ouais. Est-ce que ça fait 490 grammes? Non. Ah, c'est bon! J'arrive d'un air dédaigneux. Les gars, j'ai zéro confiance en moi, ça y est. Ah ouais? Je pense que tout le monde me déteste. La confiance en soi, c'est que du bluff. Donc, fais genre d'avoir confiance en toi. Ta gueule. Voilà. Ouais, ça marche bien. Ouais, ça marche, tu vois. Ça marche super bien, ouais. J'ai super confiance en moi de ouf, là. Ta gueule. Ah, c'est pas mal. Ah ouais? J'ai pas confiance en moi du tout. Moi non plus, j'aurais pas confiance en toi, là. Vas-y, pose ce verre. Tu trembles un peu. Faut le déposer. Regarde, Ryan, tu vois ça, là? 292. Putain, je suis trop nul à ce jeu. Ok. Ah. Voilà. Oui. Je l'ai un peu vidé. 50 centilitres. Imo. 436, messieurs dames. Aïe. Et moi, j'ai joué méta. Une balance sur une balance. Qui a déjà fait ça? Personne, aucun de vos influenceurs de merde. Baiser, là, c'est super long en plus. Ouais, je pense que c'est beaucoup plus lourd. Non, ah non, mais c'est parce que c'était la balance sans l'emballage, toi, que tu voulais. Ouais, c'est ça. C'était que la balance seule que je voulais. Ah, 687. Ah, mais c'est parce que toi, tu voulais la balance, mais... c'est parce que tu voulais la balance, mec. Là, on doit être pas mal. Ah. On y est. Let's go, les gars. C'est ça que tu voulais. C'est ça que je voulais, en fait, au début. Alors, je vous rassure, la balance était périmée. Hein. Mm-hmm. 1 kilo. 1 kilo. Le double de ce qu'on vient de faire. Faut trouver 2 bouteilles d'eau. Troisième manche, les gars. 1 kilo. Mais what? 1 kilo. Mais what? 1 kilo. On s'en va rien. Tu vois, dans cet épisode 2, j'adopte une détente plutôt calme. Au-delà du calme, c'est la sagesse qui me guide maintenant, et c'est surtout les éléments, la vie, l'univers. Si je pouvais avoir une batte dans les mains, une batte de baseball d'un kilo environ, seulement en levant les mains au ciel et en disant « Baseball, 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 oh !» Putain, mais c'est incroyable. Je leur pète une jambe, je leur pète une jambe, je leur pète une jambe. Oh non, 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 non. Oh. Ok, tu m'as calmé, tu m'as calmé. Wow. J'étais agressif, j'ai plus envie. Pas la paire, pas la paire, pas la paire. Filme la paire, filme la paire, filme la paire, filme la paire. C'est une 97 Matrix. J'ai la volé. Quoi? Oh putain, on a volé. Mais cours, cours, mais rattrape-la, te fais pas faire. Te laisse... Te fais pas faire. Te laisse pas faire. Mais c'est quoi ce duo de con là?
Il me nargue en plus. Ah ouais, vous vivez une aventure, vous, c'est... Non, il vient de me voler ma chaussure. Ah ok, ah putain, on est au milieu d'une histoire. Attends, parce que je suis en train de me demander si ma chaussure fait pas un kilo. Trop tard. Envoie pour voir. Bon, j'espère que tu tiens pas trop. Il vient de jeter ma 97 Matrix, là. Je pense que c'est mort, tu veux la récup? Excusez-moi, c'est une 97 Matrix. Ah bah tiens, alors, je te la rends. Ok, putain, je t'ai jamais vu aussi beau au foot. Bon, on termine le jeu ou quoi? Oh putain. C'est une chaussure. Chut, t'entends ce que tu dis et t'entends comment tu parles? Ah mais merde, laissez pas des gens au milieu du couloir! Pardon, j'étais là, j'ai pas fait exprès. Putain! En vrai, je vais là, mais je sais même pas ce qu'on peut faire. J'aime T'as bien. Ton objet? Ouais, j'ai mon objet. Tu l'as déjà? Mais il est où? Y'a quoi qui fait un kilo là? Y'a rien. Y'a quoi qui fait un kilo? Y'a rien du tout là. Non, what is là, le gars? C'est un antagoniste d'un animé. Je pense que c'est pas loin d'un kilo. Je suis pas très fort, ok? J'ai pas confiance en moi. Non, parce que je suis pas là à la salle ce matin. Batte en alu, batte en bois. Aidez-moi, choisissez l'objet qui fait un kilo. Non, c'est pas une option. Celle-là, ça marche. Tu fais un kilo par hasard? Hein? Tu fais un kilo? Un kilo? Je dois trouver un kilo pile là. T'as un kilo? Tout pile. Mais où est ton putain de truc? Tu sais, moi j'en ai vécu des choses dans la vie et je t'arrête tout de suite. Tu vas pas m'avoir à l'usure. Moi j'ai un background, d'accord? Essaie de te mettre à ma place. On fait un jeu où en gros on doit trouver le juste poids. Okay. Et là je dois trouver un kilo tout pile. Ah oui, en effet, j'ai un background. Ouais. Pantalon? Tu veux te dessaper là? Et si, ça finit par contre dans 10 secondes là vraiment, je crois. Putain, bref. Donc c'est pas. Ah! Le... Je suis à l'heure. Ok. T'as un objet d'un kilo là? Ça se voit pas? Ah non, ça se voit pas. Ça se voit pas. Moi, y'a un petit happening. Bah, je vais commencer parce que moi, ça se voit. Ok. Qu'est-ce que c'est? Vous êtes allés où les gars? Vous êtes allés. Vous avez pris un Uber, un truc? Vous avez vos objets? Je commence avec le mien qui était très visible. Tu vas réussir à le faire tenir dessus? Je pense. Ah ouais, putain. Ouh! 823. 823, ce qui est pas déconnant en vrai, honnêtement. Ah putain, ouais, j'avoue que t'es bien là. Je pensais que ça faisait plus. À toi, Zaf. Je suis très curieux. Moi aussi, je suis curieux. Oula. Mais on te raquette pas, Zaf, c'est juste, l'objet. Tu vas finir en caleçon, hein? Tu penses ton pantalon. Eh, mais en vrai, y'a un monde. Ouh! Attends, c'est pas mal, hein? 861. Bah, je crois que t'es en tête. T'es au-dessus de moi. 861. Ouh, c'est serré, là. Hein. Et je vais chercher mon objet. Oh, il est mystérieux. Tu peux remettre ton pantalon? Je peux parler? Ouais, ouais, carrément. Les gars, je peux récupérer mon objet? T'as enlevé un cadre de la vidéo, là? Mm. Je suis dégoûté. 147. Mais du coup, c'est Zaf qui est le plus proche? C'est Zaf qui est le plus proche. En mettant son putain de pente sur la balance? Comme quoi, bravo. Faire des séquences en caleçon, ça paye. C'était quand même pas loin. C'était audacieux, mais malheureusement, ça n'a pas suffi. J'ai gagné. Oui, c'est vrai, bien joué. Oui, bien joué. On est à égalité, là. 1-1-1, hein. Exactement. Prêt pour le prochain poids? Je suis prêt. Là, à partir de là, ça va commencer à monter un peu, là. 40. Ah oui, putain, ça monte bien, quand même, là. Attends, 40 kilos. Quand même. Eh ben, allez, c'est parti. Prêt? Quand vous voulez. Let's go. Bonne chance, bonne chance. Bonne chance, Zafil. Vous allez voir. Qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi ils courent en permanence? En fait, faut trouver un humain très maigre ou un enfant. Il y a des fils de... Tes enfants? Ouais. Non, j'ai pas d'enfant, dis merde. T'as pas un gosse, là, vite fait? J'en ai pissé. Je reviens. Non, arrête! Laisse-moi pisser! 40 kilos. Là, t'as vu, Ryan, par rapport à l'épisode 1, je m'en sors beaucoup mieux. 40 kilos. Réfléchis un peu. Une garderie. Non. Salut mec, je suis en tournage pour une vidéo YouTube. Je cherche quelqu'un qui pèse aux alentours de 40 kilos. Combien pèses-tu? Environ 50 kilos. Ah merde. Est-ce que vous avez des choses qui font 40 kilos ici? Non. Ça va ou quoi? Dis voir, je suis en tournage pour une vidéo YouTube là. Je dois ramener quelqu'un ou un objet qui pèse 40 kilos. Ok, bon c'est pas grave, vas-y, merci quand même, à plus. 40 kilos, je peux pas le porter dans les mains, c'est pas possible. Genre le distributeur, par exemple, je pense qu'il fait 40 kilos, tu vois. Tu te fous de moi, là. Impossible. Alors que la fontaine à eau... Non. Il y a un endroit où il y a plus de ghosts, hein. La phrase est bizarre. La phrase est vraiment méga bizarre. Sinon, il y a le stock du débit. Ah ouais, vas-y, on là-bas. Vas-y, on grave là-bas. Et Jordan, il est parti où? J'ai l'impression qu'il est pas sorti de Webed. Pense au poids de la salle. Exact. Putain, on est connecté. Je t'ai bien eu. C'est pas de l'eau, c'est du pipi. En ce moment, je m'entraîne depuis le 9 mars. Je suis en challenge changement de corps. Non, ça voulait rien. Ça n'a rien à voir. Non, je m'entraîne pas comme ça. Je m'entraîne en tout cas à la salle depuis le 9 mars. On cherche un objet de 40 kilos. Ou proche de 40 kilos, quoi. T'es en train de me régaler, mais j'ai l'impression que je suis venu comme à un marché aux puces. C'est trop étrange. T'as
maladie de Charles et Mélanie qui fait apparemment 42 kilos. Ah ouais? Oh, bah attends, c'est une info de fou que tu viens de me donner là. Premier degré. Bah attends. Ah putain. Ok. Ah bah on va aller voir. Oh, on va aller voir, ouais. Oh. Ah mais c'est peut-être pas ça. C'est Jordan, il est... Attends, ça se trouve Jordan, il est pas descendu parce qu'il savait. Au cas où, on est pas du tout en train de voler la fontaine d'eau. Non, j'imagine. Voilà. Donc, si les gens se posent la question, c'est pas nous. Faut que je fasse un développé couché avec, et je le saurai. Ouais. C'est super lourd. Je te spot là. Ça coule, ça coule. Ça coule. Oh merde, merde, merde. Okay. J'ai une question à vous poser. Ouais. Est-ce que l'un de vous, par pur hasard, pèse pas loin des 40 kilos? Non. Attends, t'as pas coupé l'eau? Hey! 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 Qu'est-ce que vous faites? Hey! Ça va, les jeunes? Bah, t'as l'air essoufflé? Non, non, non. T'as quoi dans la main? Bon, là, on se prenait un petit café, ce qu'on a fini et. Ok. On se commandait un petit caf, quoi. Mets tes couilles, celui-là. Mais qu'est-ce que c'est que cette machine de l'enfer? Non, on abandonne. C'est fini pour nous, là. Mélanie, avez-vous un truc qui fait 40 kilos? 45. Personne n'est venu te voir là. Non, mais personne ne connaît mon poids. Mélanie, le charlie Mélanie, tu fais apparemment 42 kilos. Alors sache qu'on nous a donné ton poids à un endroit et on se disait que t'allais pas être là et au final t'es là. Mais non, sérieux? Ouais. C'est pas drôle. Ah, ça va? Mais. Aussi, ça va? Mais c'est quoi ce rébule de fou là? Attends. Bah c'est fou. Ouais, c'est ouf. Je suis curieux de voir l'objet de ça. Tout à l'heure, je suis là. Ça y est? Ok. T'as ton objet? Quentin, vite! Un banc! Et on cherche 40 kilos. Hein. Oh non! Oh, mec, il reste 10 secondes. Il est où là? Le premier objet un peu encombrant que t'as vu, tu l'as pris juste. Ah. C'est bon les gars, okay. J'ai mon objet. Bon, on va commencer par le canapé. Ouais, vas-y, qui comme fait ça. 55 kg 60. Vas-y. Tu le poses. Putain, merde. 26 kilos. Bah, je pensais que ça faisait plus, moi. Chaud, là. Bon, bah. Ok, on est plus proche, on gagne. Oh la vache, oh là, c'est abusé. La 43,5. Tu m'as dit 45. C'est win, on dirait bien. Normalement, les gars, moi la prochaine, je vais retourner la carte, je vais disparaître d'un coup et vous allez pas comprendre ce qui se passe. Ce sera pas un effet au montage, ce sera bien réel et je vais me téléporter à côté de l'objet que je vais prendre. Les gars, le poids demandé, c'est 122 kilos. Putain, 122 kilos, mec. Et regardez ce qui va se passer maintenant. Il est où? C'est que c'est ouf parce que plein de fois, en fait, quand je réalise, je me dis, il y a beaucoup de moments où je l'ai vu un peu disparaître de nulle part. Je me dis, il est méga rapide, ouais. Oh là! Je suis encore en train de travailler. 10 minutes. C'est lancé le chrono, Mathieu? C'est lancé. 122 kilos. Allez, on va au parking, chercher une moto. 122 kilos, on peut pas le soulever. Je me rends pas compte. En fait, je sais même pas ce que je fais. Une voiture. Non. Une tonne, une voiture. Je suis stun. Je vais me reposer vite fait. Je marche d'un air confiant, comme tu peux le remarquer. En effet. Et en plus, tu n'es pas essoufflé. Pas cette fois. J'alterne entre le sport et l'e-sport. Tu joues à quoi pour l'instant? Valorant, je suis bronze 2 et fier de l'être. Y'a un problème? Ça pue la merde. T'es enculé. Bah alors, on garde un petit truc dans le distributeur? Non, c'est Quentin, il avait faim. Ah, t'avais faim? Ouais. Moi aussi, j'ai commandé un truc. Arrête d'essayer de le supposer là. Pas du tout. C'est, je l'avais vu avant toi. Oui? Tu vois ça? Oui. C'est un L. Loser. Ça fait mal. Ouais. Ça fait mal parce que je suis venu regarder premier degré. En fait, c'est impossible de visualiser un objet qui fait plus de 100 kilos. Il y a l'arena, au gros studio où il y a popcorn, zen et tout. Ah, tu penses qu'on peut trouver des. Vas-y, ouais, pourquoi pas. Ok, j'ai mis de qui. Ok, les gars, aujourd'hui, nouvelle émission. Je l'ai mis très mal. Je voulais imiter Domingo, je l'ai pas du tout. Je l'ai pas du tout. Vous avez pas 120 kilos. Vous avez une idée même de ce qui pourrait s'approcher ou alors. Bah, attends, mais il y a le frigo du studio. Peut-être. Oh, ça c'est bien, je pense. Ok, autre imitation. Tu vois qui c'est, Evan? Non. Evan, niquer ta mère. C'est grim. Moi, je vais aller faire du stop dehors jusqu'à ce qu'il y ait un scooter qui s'arrête. C'est quoi ça? Ça, oui, de ouf. Elle est sur roulette en plus, non?
Confiance en moi, quel retourne du charisme. Oh merde, y'a un énorme problème sur la canon là. Bon, j'embarque ça au service généraux en bas. Comme c'était prévu dans le planning de tout le monde, l'imprimante descend du coup si jamais il y a les services généraux, tout ça. Tout était carré déjà, on a vu tous ensemble. Oh, je pense que là avec ça on peut gagner. Je pense que c'est pas mal hein. C'est super léger. Sinon on remplit le frigo de trucs lourds hein. Ouais mais c'est triché ça. Par contre la hauteur ça va être relou Théo. Oh. Bah si si Théo. Tu penses? Là y'a un... Théo dans l'ascenseur. T'as des structures ouais, manquantes. Ouais. On arrive. Attends, je fais... Aïe. Alors, le prix d'une imprimante comme ça s'affiche maintenant au montage. Faut vite que je le remplisse avant qu'il vienne. Qu'est-ce qu'il y a de très beau? C'est super léger. Vite, ils arrivent. Tiens. Ouais, il est tout petit votre frigo en fait. Vite, ça fait vite. J'ai stressé. Oh putain de sa mère. Oh, c'est super lourd. Oh non! Ça va? Ça va, hein, j'ai mon objet. Ah, une photocopieuse, ok. Ouais, le frigo a changé de place. C'est... Ouais. Bah. Ah, c'est... il est rempli, c'est ça? Non, non, il est pas rempli. C'est triché si je le remplis. Ah oui, oui, carrément. Bon, allez, moi je vous attends. Mathieu, il reste combien de temps? Comment tu l'as ramené ici? Je l'ai débranché. Et après, je l'ai... Ça va? T'as l'air essoufflé? Non. Je suis fatigué. Il faut peut-être que je rende rapidement les choses. Je suis chaud de commencer parce qu'en plus, j'ai l'impression que ça va être le plus chiant. Je t'avoue que moi aussi, il faut peut-être que je rende assez vite parce que sinon, il y a peut-être un problème de compta généralisé, quoi. Alors par contre, je ne pourrais pas la porter. Et vas-y, 1, 2, 3. Ah oui, putain, ok. Ouah, mec. Et après une dizaine de minutes de négociations, on a choisi de mettre un PNG sur la balance et de voir le poids sur internet. Hop, je resize juste un peu parce que c'est trop grand. C'est où de pouvoir faire ça? Ok. Combien? Ok, mais attends, en fait, t'es... Quoi? Bien de ouf. Pas mal, pas mal. T'as à vous, les gars. Bah, Théo, toi qui as eu un bout d'immeuble. Ok, pivotez vers l'avant et on est sur la balance. 69,9. Attends, fais voir. Ah putain, ça s'affole. 118. Okay. Wow. 117. 116. Ça se stabilise pas. 122. T'es où? T'es ouais, t'es dessus. On t'a vu. C'est 69 kilos. Mmh. C'est bien, ça valait le coup en vrai. Et on va passer à Zaf alors. On le met sur la balance? Ouais. Vas-y, je pense que tu peux faire tout seul. Je pense que tu peux le faire tout seul, ouais. Hop, 44 kilos. Ah, c'était pas mal pour le guest d'avant. C'était très bien pour le guest d'avant, c'était à égalité parfaite avec Mélanie. Bah j'ai gagné, let's go. Ça va, c'est ouf. Let's go. Ok, bien joué. Mais c'est une avance énorme là, j'ai l'impression, les gars. C'était 3-1-1. Là, vous jouez pour qui? Vraiment la grosse merde, quoi. Et moi, si vous voulez, je vous le dis, cette manche-là, la dernière, on triple. Du coup, tout est possible là. Moi, ça me va de remettre mon titre que j'allais avoir sans problème là. Ok. C'est sinon trop facile. On est au poids final. Ouf. On en a vécu des choses ensemble, ça me rappelle la Redbox. Tout le monde peut gagner là. Ouais. Tout le monde peut gagner. Tout le monde peut prendre sa place. Cusan peut prendre ta place. Oui. D'ailleurs. Bah bon courage. Merci beaucoup. Tout le monde peut gagner du coup. J'espère que tu peux faire un CTRL Z là-dessus parce qu'il est en train de niquer tout ce que tu fais. Même toi. Et ben on va pouvoir faire le reveal du poids. Le dernier poids, je l'annonce. 2 tonnes 2. Quoi? Attends. 2 tonnes 2? Sur les 6 voitures que j'ai, 2 tonnes 2, il n'y en a qu'une qui a ce poids-là. Moi, j'ai peut-être une petite maison dans le sud que j'ai achetée qui fait ce poids-là. Ah putain. Est-ce que je peux revenir à la table? En vrai, premier degré, comment on fait? Parce que je ne peux pas ramener 2 tonnes 2, moi. C'est pas que lié à toi pour ce coup-là. C'est pas que, ouais, je crois qu'on est un peu ensemble dans le même projet. Et comme disait Nekfeu, on est tous dans le même bateau. Même ceux que l'on n'aime pas trop, car l'amour, le son et la boussole. Je venais d'écrire. Oui, je ne pense qu'à m'amuser. Pour la coque, je venais de crier là. Escrew. Un 995. 2 tonnes 2. Quoi? Le mec a toujours pas besoin de réaliser quoi. On a une heure. Ok, là c'est une manche spéciale, on a une heure. Ça va le faire, Ryan. Quentin, on est dans la merde. T'as vu comment je suis chaud depuis le début et tout, j'arrive à trouver des trucs. On va voir le big boss de Webed et on lui demande. Normalement, il a une grosse merco, c'est bon. Là, on va devoir trouver 2 tonnes 2. Une voiture, ça fait combien? Mais il faut trouver une voiture en fait. Faut que je réfléchisse. Une 208, ça fait moins d'une tonne, je crois. Genre, ça fait 900 kilos. Mais elle est rangée là. Putain. Ça va? T'as une idée, toi? Attends, si quelqu'un avait un 4x4, par exemple, qu'on pourrait emprunter. Ah, si quelqu'un avait un... Ou un petit 4x4, tu vois. Par exemple, une 2008.
3008. Là, tu penses que je vais déranger personne si je fais un appel d'offres en mode bonjour, excusez-moi de vous déranger. Je vais faire ça, je pense. Faut juste que je sois charismatique. Excusez-moi. Ça va? Tout le monde m'écoute? Alors, pardon. Quelqu'un a une voiture qui pèse. Ta gueule! Ta gueule. Toi, ta gueule. Va trouver ta caisse au milieu. Ta gueule. Toi, ta gueule. Mais ta gueule, toi. Ta gueule. Eh. Ouais. TG. Bonjour, comment ça va? À tout hasard, pour un tournage, je cherche une voiture ou quelque chose pesant 2 tonnes 2. La voiture de Greg. Là, la strat elle est simple. Un van, c'est lourd. Je peux pas commander de van. Par contre, je peux pousser quelqu'un à commander un van. Faut que là, je fasse marcher mon influence. T'as vu ce qui émane de moi? De l'influence pure. Par hasard, je me demande, t'aurais pas besoin de louer un van là pour un trajet? Et qu'en fait, le trajet, ce soit juste de venir en bas là? Bonjour, hello, ça va ou quoi? Désolé de vous déranger, je suis en tournage. Je cherche une voiture se rapprochant de 2 tonnes 2. Moi, c'est 2 tonnes 8, je pense. Il y a peut-être quelqu'un qui est venu en voiture aujourd'hui. Oui. Donc, il y a quelqu'un qui aurait une grosse voiture, je vois, tu penses. Oui, peut-être quelqu'un qui aurait une grosse voiture, à la limite, qui peut me la prêter. Let's go, la voiture est là, le véhicule est ici. Bah, merci pour ce prêt de véhicule, littéralement. Puis, toi, Aymeric, tu roules dans une Range Rover, ok. Vélo. Alors, vélo. Un X-Trag? Ils ont des grosses voitures dans le garage? C'est incroyable cette histoire. Parfait, on va se placer juste ici, les gars. On est en train de se calibrer dessus. Ok, c'est parfait. Putain, t'es chaud. Ok, la strat, elle est simple. Je rentre et je dis... Quelqu'un aurait une grosse voiture. Y'a personne qui t'entend, je crois. Si, je parlais super fort, là. Est-ce que quelqu'un aurait une voiture à me prêter qui serait très... Non, mais y a personne, là. Ah ouais, là, faut partir. Zaf, j'ai l'impression que t'as des sérieux problèmes de perception des poids. Ouais, tu crois que ça fait une tonne seulement, ça? T'inquiète, là, tu penses que je fais rien. Ouais. Ça fuse dans mon cerveau. Ok, ça va. Attends, mais Zaf, tu chiales là? Non, pas du tout. Chiale pas, arrête. Ok. Putain, j'ai l'impression que tu chiales, ok. Putain, mais t'es bien. Okay. C'est ça? Ah, c'est là. L'automobile magazine. Vroom vroom. C'est comme ça qu'on les appelle? Tu vas voir avec moi. Tiens, je voulais savoir. Je cherche un véhicule qui ferait 2 tonnes 2. 2 tonnes 2? Ouais, rien d'avant. J'ai des électriques, éventuellement. Mais un thermique, je ne fais pas 2 tonnes 2. Ah ouais? Putain, tu vois, j'étais dans la merde, là. Ah ouais, vraiment. Kia EV6 GT, 2 tonnes 2. Mais si je trouve quelqu'un en story qui a une Kia EV6 GT... Après, ça coûte 80 000 euros, donc... Ah ouais, oui, ah oui. Le GT, il est en trop dans le... Ouais, il est en trop dans le truc. C'est une très bonne info. S'il ramène pas une électrique, je sais qu'on a gagné. Regarde ça. Tu vois, il y a son hume, en plus. Il y a le hume du gars. Oui, bonjour, c'est à vous, le camion en bas? Non, ça gêne pas, c'est juste que vous accepteriez de faire 2 mètres de voiture avec moi pour peser votre camion pour un jeu. Et si vous voulez pas, c'est pas grave, hein. Bah pas de soucis. Salut. Alors Zaf, on va débrief. C'est... En termes de négociation, t'es éclaté au sol. Oh, mais alors, toujours bredouille. Hey. Oh, attention, on le retourne. T'as un truc? Ah, moi c'est fini, moi. Il est où Jordan pour de son côté, lui? J'aimerais bien savoir comment ça se passe. Ah, c'est pas grave. C'est une Audi électrique. C'est ma chance. C'est une Audi électrique. Oh non, s'il vous plaît, non! Non! C'était une Audi électrique! Attends, Jordan, y'a pas un concessionnaire pas loin? Non, y'a pas de concessionnaire. Y'a un concessionnaire juste là. Alors, ça peut paraître bizarre. Je cherche éventuellement 2 tonnes 2. Mais j'ai pas 2 tonnes 2, moi, ici. Non, mais de Ah, y'a Jeep aussi à côté. Je cherche éventuellement un véhicule qui se rapproche le plus des 2 tonnes 2. Évidemment. Ok. J'ai envie d'y croire. Ah, j'ai envie d'y croire aussi. 2 tonnes 2, ouais. Ouais, tu vois, j'avais cette idée. Okay. Et tu lui arraches le bal trou. Ok. Et en gros, le moins rapide, il a perdu. Ok, il est obligé d'enculer le canard. Ouais. Oui, mais je l'ai déjà fait, donc... Oui, maman. Bah écoute, ça va bien, ouais. Là, on brainstorm avec Théo Babac. Ok. Bon, là, vous avez rien. Bon, tant pis. Merci, hein. C'est la merde. Ça va pas marcher, Jordan. Ouais, ça pue le caca, là. Bon, je foutrais le numéro, mais... Regarde, il va appeler. Oui, bonjour, monsieur. Je suis devant votre van, en bas, dans la rue. Putain, ça se trouve, Jordan, il va avoir plus de tchatch que moi. Et je vous appelle pour un truc très particulier. Est-ce que vous pensez me faire confiance à un total inconnu et que je récupère les clés? Par hasard, je tente, hein.
Ah, j'ai... bah, incroyable, merci. Non, je crois que je suis tombé sur un énorme crack là. Attends, mais c'est incroyable. T'as appelé le gars ? Il se pourrait. Je l'ai appelé aussi. Tu l'as appelé aussi ? Il t'a dit quoi ? Il t'a dit quoi, toi ? Il m'a dit, j'arrive. Oh, putain, merde. Quand je te dis que t'es le pire négociateur. Je sais pas par où il va arriver. Il m'a dit, j'arrive. Ça se trouve, il arrive pas. J'ai envie de le rappeler, mais. Moi, j'y crois. Il m'a dit, j'arrive. Putain, j'en sais rien. Je suis perdu là. Excusez-moi, vous êtes disponible 5 minutes ? On voudrait peser un véhicule et il nous faudrait un véhicule de 2,5 tonnes. C'est juste là dans le coin de la rue. On n'est pas trop longtemps. Ah non, c'est vraiment très rapide. Oh bah c'est super gentil. Bah vous pouvez. Venez. On a une solution B. Quand j'ai appelé ce numéro, il y a un abonné qui est venu, qui est chauffeur Uber, qui nous a proposé sa voiture. C'est laquelle ta voiture ? C'est laquelle ? C'est laquelle ? C'est la chère là-bas. Oh putain ! Elle pèse combien tu penses ? 1,7 tonnes. On va le voir. Je pense qu'on va prendre cette solution. Merci frérot. Ah c'est toi que j'ai eu pour le... Putain. Du coup j'ai trouvé entre temps ce que je me suis dit. Ouais c'est bon, putain je t'ai fait descendre pour rien. Merci beaucoup, je te serre la main parce que là t'allais me le prêter alors que tu me connaissais pas. C'est incroyable. Ah, merci. Merci. Merci beaucoup. Il est temps de découvrir les résultats parce que c'est la première balance que je vois de ma vie qui imprime le résultat. On l'a oui, pas en fait... Ouais. Ça. Alors c'est, soit je suis très loin ou pas loin quoi. Maître Mathieu. Je suis hyper impatient au premier degré. Moi aussi. Premier poids. Jaka, 1 tonne 3. J'ai le sentiment que t'aurais pas dû remettre ton titre en jeu, tu vois. On a 1 tonne 4 et 1 tonne 8. Il avait un os passe quand même. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. J'avoue que j'ai fait le malin. Oh non, ça va se retourner contre moi. Je veux pas perdre mon titre. Putain, il était si gentil avec moi ce monsieur. Non, c'est sûr qu'il a 1 tonne 8 de matos. Moi, il y avait le coffre rempli, moi. Arrête. Ah. Des gueules. C'est bon. T'as vraiment perdu. Il y a un vainqueur et ce n'est pas moi. Mastu, tu as ramené une superbe voiture. Une super voiture, ouais. Un super beau modèle. Un super véhicule. Mais Zaf a ramené un monospace assez ancien qui a connu la guerre. Sincèrement, je pense que Théo il a gagné. X1, je crois que c'est big. Sincèrement, je pense que tu roules dessus, ouais. Tu vas pouvoir rouler sur Zafil parce que t'as gagné. C'est vrai ? Avec le 1 tonne 836. Et Zaf, 1 tonne 490. Putain, t'as ramené un énorme gamos. Bah si tu remettais pas le titre en jeu, t'avais gagné là. Donc c'est une victoire partagée encore une fois. C'est un deuxième épisode avec une victoire. Ouais. On pourra faire la belle. Ouais, on pourra faire la belle entre tous les vainqueurs. Donc. Franchement, on prend Théo Babac, toi, moi, on fait un épisode à 4 du coup. Ouais. C'est quoi ? Il faut ramener 15 tonnes. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle. Merci Zap, merci Théo.